Salut à tous, c'est BJ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil afin de gagner plus de cryptogrammes des fondateurs, Azeroth Mortis. Et je remercie notre cher ami Plume de m'avoir communiqué cette info. Pour rappel, grâce à cette monnaie, vous allez pouvoir débloquer différentes recherches au niveau de la console de recherche Cryptip dans les Chrones d'Exil. Ces recherches vont permettre d'améliorer votre Pokopok, et de pouvoir le rendre plus puissant ou pouvoir vous healer, ainsi d'avoir plus d'énergie et de débloquer vraiment tout le contenu de la zone, comme par exemple de débloquer la forge de synthèse qui va vous permettre de fabriquer des petites mascottes ou même des montures. Vous trouverez des cryptogrammes des fondateurs en tuant des rares, en faisant les quêtes journalières ou bien en ramassant les coffres. Dans ces coffres, vous allez ramasser jusqu'à 6 cryptogrammes des fondateurs à peu près, mais vous allez pouvoir augmenter ce nombre de 50% en achetant un petit objet à un PNJ qui se trouve au repos de la foi, Oléa Manu, qui va vous demander 150 cryptogrammes des fondateurs pour acheter l'outil d'analyse cryptique improvisé qui est aussi lié au compte. Grâce à ceci, vous allez donc augmenter les gains de cryptogrammes de 50% pour tous les personnages de votre compte. Vous avez juste à l'acheter et à cliquer dessus, et vous gagnerez 50% de cryptogrammes en plus de toutes les sources, c'est-à-dire des rares, des coffres, mais également des quêtes journalières. Donc maintenant, chaque quête journalière va vous donner 30 ou 31 cryptogrammes. Les coffres vont vous donner entre 6 et 9 cryptogrammes. Cela va donc augmenter votre vitesse de recherche au niveau de la console cryptique, mais pas que. Vous pourrez également acheter auprès de ce même PNJ d'autres objets. Vous allez pouvoir acheter une recette de cuisine qui va vous permettre de poser une marmite et qui va pouvoir être utilisée 70 fois et qui va augmenter les caractéristiques principales de ceux qui mangent dedans de 20 pendant une heure. Vous aurez une formule de craft qui va vous permettre d'acheter un noyau d'automa régulé par magie pour les ingénieurs, qui a une chance de créer près de la cible un noyau d'automa qui explose et produit des dégâts et du soin. Vous avez donc l'outil d'analyse cryptique improvisé dont on a parlé dans la vidéo. Vous avez deux mascottes, le cercle de champ de Giro et la Pokopoke voyageuse, ça vous permettra d'avoir votre Pokopoke partout sur Azeroth. Et enfin, vous allez pouvoir acheter la cache d'Oléa qui coûte quand même 700 cryptogrammes des fondateurs. Mais dans cette cache, vous aurez la chance d'avoir du stuff, vous pourrez avoir des granules de genèse et surtout, vous avez de grandes chances d'avoir des essences des progéniteurs qui serviront donc pour le craft des légendaires. Si vous avez donc trop de cryptogrammes des fondateurs et que vous avez terminé la recherche de la console cryptique, vous savez où vous allez pouvoir continuer à dépenser vos cryptogrammes. Voilà pour cette petite vidéo sur les cryptogrammes des fondateurs et comment en gagner un petit peu plus. S'il vous plaît, vous pouvez également me suivre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes en ce moment avec ma guide sur Anduin en HM et je stream le raid tous les mercredis et dimanche soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Salut à tous, c'est BJ, bienvenue dans cette